Ok, là le jeu s'est lancé. Bon, le jeu s'est lancé, ça me fait mal aux oreilles pour contre ce truc. Je suis en train de regarder les options parce que j'ai l'impression d'être un peu basse. Posture debout, ouais, non, c'est ça le truc. Voilà. C'est mieux. J'ai une meilleure hauteur là, ça va. Les déplacements. Bon, ça je laisse comme c'est, on verra. C'est pareil, là, le reste on verra. Afficher tout de suite, côté de l'arme. Je suis gauchère. Donc j'imagine que c'est pour le prendre là. Langue français. Oh, c'est du... type de rotation. Continue. Lisse. Différent entre continue et lisse, c'est quoi la différence en fait? Désactiver, continue. On va laisser lisse, on verra, on changera s'il faut. Le son, j'espère que c'est pas trop fort. Moi, ça n'a pas l'air, mais bon, parce que j'ai les espèces de d'écouteurs qui sont pas directement dans les oreilles, donc du coup, ça m'assourdit pas. Ce que j'apprécie d'ailleurs au passage. Peut-être que je vais baisser, ne serait-ce pour pouvoir que ça vous assourdisse pas non plus. Au moins la musique. Voilà, on va la mettre comme ça. Direction vers l'avant, vu. Bon. Mode de déplacement combiné. Bah, je touche à rien, ça je verrai ce que ça donnera en jeu. Le retour. Du coup là le là où on était c'était là-bas. C'est grand. Nouvelle partie. Sauvegarder. Est-ce qu'on peut sauvegarder en jeu? Je sais pas. Je pense que c'est possible. Sinon, on aurait. Ah non, ça, c'est les sauvegardes. Allez. Je sais pas dans quoi on se lance. Il paraît qu'il est pas mal. On va le faire en facile parce que je le sens pas quand même. Je veux pas non plus. Elle met plus lent et moins résistant. Ouais. On sait pas que je le ferai pas comme ça, mais en VR. Je suis un peu plus chuchote quand même. Alors. Ok. Il y a des zombies là aussi. Hein. Alors celui-là, je l'ai pris. Bah, histoire de rajouter un jeu en VR, mais de base, ça fait un petit moment, je crois qu'il est sorti et il m'a tiré pas plus que ça. J'avais eu sûrement vu des choses sur le gameplay qui me plaisaient pas trop. Puis bon, faut bien trouver quelque chose, donc je me suis dit, allez, on va se lancer. Et on verra bien. Tenez la photo en main, maintenez-la pour attraper un objet. Mais attends, il y a du vernis, je suis une femme. Ok. Pour ma moitié, ma soeur jumelle, on traversera tous ensemble. Je t'aime fort. Je crois que Owen a besoin d'orienter le joystick droit vers l'avant pour vous téléporter. Oh, mais je veux pas me téléporter. Pourquoi me téléporter? En plus, avec la main droite?
Moi, je veux marcher, moi. Enfin, bon, s'il faut le faire. Hop, voilà. On fait se tourner. Orienter le joystick droite. Ok. C'est des à-coups, ça. C'est lisse. Faudrait peut-être que je mette en continu, du coup, là. Ah, ça, j'aime pas du tout. La téléportation, c'est le genre de truc qui va me le faire faire sans le vouloir. Orienter le joystick gauche pour vous déplacer. Ah ouais. Après, c'est vrai que c'est plus lisse que d'autres joueurs quand je vois qui utilisent ce mode de déplacement. Moi, j'aime pas un perso. Hein. Mais ça passe un peu mieux que par à-coups. On dirait vraiment des à-coups qui sont violents des fois. Mais là, est-ce que je peux mettre pause? Retourner dans les options. Dans les contrôles. Non, c'est peut-être pas dans les contrôles. Dans le gameplay. On continue, on va voir ce que ça fait. Ça sauvegarde automatiquement, j'imagine. Ah, voilà. Voilà, j'aime mieux ça comme déplacement, moi. Ouvrir la porte, maintenez R1 pour saisir. Et je peux pas le faire avec... voilà. Je suis gauchère, mon coucou. Hein. Alors, faut préciser R1 ou L1. Owen? Je me demande si j'avais pas essayé de le faire, ça me dit quelque chose cet endroit. Mais pas en VR par contre. Ah, no more peanut butter. How will we ever survive? No, but seriously. Je suis élevé l'UP pour Tuyon Yin. Bravo et merci de ta présence. LVL 39. Ah, GG à toi, j'ai toujours pas compris le pseudo. It only took the end of the world for me to finally start a diet. At least my wife's gonna be over the moon. Je reste derrière toi, tu me protèges? The door won't hold much longer. We really need some help to get out of here. Let's see if we pick up anything. J'adore ces vieux radio cassettes. No, only static. Je te fais un petit massage. Ah. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien aux épaules, hein. You don't have to stand there. I'll call you if I pick up something. T'es pas obligé de rester là, je te parle. Hey, tu me laisses lire? Bon, bah, je me casse, hein, puisque je peux pas rester là. Une cuisine? La cuisine de l'hôtel? Ah. Attends, est-ce qu'on peut le... Ouais, ça c'est top. Quand on peut viser de loin. Chère Monica, nous avons décidé de sortir de la cuisine où nous sommes confinés depuis plus d'une semaine. C'est très risqué. Ce qui se passe ici n'est pas naturel du tout. Nous avons tous décidé d'écrire un testament au cas où nous n'arrivons pas à sortir. Comment tu lis la suite? Comme ça? Non. Eh, mais attends. Logiquement, c'est avec le joystick, mais ça fait rien. Oh, ça c'est pour s'accroupir. Avec ce bouton? D'accord. Est-ce qu'il faut... Ah oui, voilà, d'accord. J'ai repensé à notre conversation sur la mort, sur ce qu'il y a après. Je pense qu'une porte s'est refermée et c'est pour ça que les morts reviennent à la vie. J'ai la certitude que l'au-delà existe. J'espère l'atteindre un jour. Pas comme ces âmes damnées. Va falloir refaire ton vernis, toi. Il y a tellement de choses que je voudrais dire à tout le monde...
les potes de l'école, à ma famille. Dis à tout le monde que je les aime fort. À toi, il y a tellement de choses que je veux faire avec toi. Avoir une maison, un chien, des enfants, qui sait. J'espère que ce plan va marcher. Je t'aime. Kelly Vidal. Ouais, il est tout écaillé, ton vernis. Oh, petit don. Alors ça, j'aurais pas pensé. C'est la toile. Ah ouais, non, c'est pas mal d'avoir... Il y a de... Ah, pas, peut-être pas pour tout, mais j'aime bien là, qu'on puisse toucher certains objets, quoi. Bon, sinon... As-tu réussi à parler à quelqu'un? Moi, je fais le tour du resto en attendant. Enfin, de la cuisine. Si là, on peut courir. Ah, il y en a un qui a compté les jours. I can't stand this kitchen anymore. Ok. Là, c'est peut-être là où on est. Ah, mais on squatte ici, là. Nous nous sommes retrouvés dans la cuisine il y a 10 jours. Des infectés nous ont attaqués et nous ont obligés à nous retrancher ici. Un groupe s'est très vite monté pour sortir de l'hôtel, armé de couteaux et d'autres ustensiles de cuisine. Peu de temps après qu'ils soient partis, nous avons entendu des cris. Il ne reste que nous 5. Émilie, la barmaid, n'arrête... Hé, tu permets ? C'est moi, Emily. Il a dit, viens me voir, c'est ça? N'arrête pas de parler de sa sœur en bougeant. Ok, c'est moi, Emily, donc. Tu me laisses lire, merci. Donc, n'arrête pas de parler de sa sœur en bougeant, j'en peux plus. Ashley devait travailler dans les étages quand tout... Tu me gonfles. Quand tout le bazar est arrivé, elle est probablement morte comme les autres. Je n'ose pas lui dire la vérité en face, mais il va falloir passer à autre chose. Si elle veut survivre, quand on va sortir d'ici, il ne faudra plus penser à ce qui est à sa propre survie. Sont disparus à ce jour Isabella Navarro, Kai Wong, ou Kai plutôt, Vanessa Hopkins, Travis Martin, Colton Schmidt, Monsieur et Madame Durand, et sans doute beaucoup d'autres. Paix à leur âme. Brian McConville. Emily, come over here. Hey, s'il te plaît, fous la paix. Sinon, je t'arrose avec du produit. C'est quoi que t'as bouffé? Des pêches. Emily, des pêches au sirop. T'avais pas trouvé mieux? Je devrais quoi? I don't know, Owen. Guns are your domain. My job here is just making fancy cocktails, you know? Oh, come on. Imagine the door breaks down while I'm answering the call of nature. You must be able to protect us. It is essential. Bah écoute, okay. T'appelleras plus appel à la nature longtemps. Et je t'en prie. Dumps in peace. Okay, take this. Start with putting the magazine in the gun. Now pull the slide to put a bullet in the chamber. Tire sur la glissière. Quelle glissière? You need to engage a bullet inside the chamber. Pull the slide towards you, then release it. Ah. Oh non, il faut leur faire ça. Tire avec une arme. Ouais. Enlève ça devant moi. Sensible, hein, par contre. Hein. J'ai à peine touché.
try to focus? Essaye quoi? Try to focus. Essaye de te concentrer. Mais pourquoi? Ça te va pas? Non mais. Eh cadeau. Hop. Appuie sur carré pour éjecter le. Ah. Non, ça c'est pas carré. There you go. Now you can shoot again. Je peux? Oui, mais je veux pas là. Je vais économiser les balles, non? Tu crois pas? J'essaie dans le sang, mais bien sûr. Shoot at the pens to make them fall. Ah, c'est qu'il faut que je le fasse en plus pour les autres. Et... Alors, tu vas tomber, oui? Bah, il en reste plus qu'une balle de toute façon. Il me reste une balle, hein? Merde. Well, then, fun's over. Give me the gun back. I'll put it away. C'était bien la peine. Merde, c'est bugué dedans. Y'a pas un couteau là? Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Thinking, since she has a radio transmitter, she's got to be in the surveillance room on the seventh floor. Then it's settled. We have to go. Wait, hold up. Calm down. Look, Owen, it's now or never. We have to find Ashley and get the hell out of here. The door won't hold much longer, and we're running out of food. So it's with or without you, but I am going to find my sister. All right, okay. You're right. But let's not rush out head first. Let's stick together, stay quiet, and gear up. Here, take this. At least you'll be able to carry stuff and have your hands free. Atteindre le dernier étage. Sortir de la cuisine avec Owen. La radio se trouve dans le poste de surveillance sur le dernier étage. On a une carte? Verrouiller, déverrouiller, objectif. Indéfini, en gris. Condamné. Attends, il y a combien d'étages? Ah ouais, faut aller au 7e étage. Super. I'm gonna open this door.
My sister is alive, Owen. Tu me donnes une arme ou on en parle de la fourchette que j'avais tout à l'heure que j'aurais pu garder? We should stay together from now on. On sait jamais, hein, si on peut leur planter dans la tête. Are you ready? Can we go now? Non, je suis pas prête. Well, that was close. Are you okay? Eh bien, on a eu chaud. Ouais, je vois rouge. Here, take this spray. Spray it on you. Putain. You feel better. Il s'est mis dans l'inventaire, non? Ah. Évidemment, il s'est mis à droite. Je peux le prendre à gauche? Ah, oh, ça c'est top par contre. Spray it on you. You feel better. Careful. Seniori Mort Back Jouer Ruan pour 0 bit. Comment vas-tu, Kenny? Bonsoir à tous. J'arrive pas à lire en même temps faire tes trucs, hein. I got you back. Vas-y, je te couvre. Mais bien sûr. Ça va? Et sinon, t'as pas une lampe torche, une lumière, quelque chose? J'en ai mis à jour. Se déplacer sur la carte. Vous pouvez visualiser votre objectif. Oui, ok. Ah, j'aime bien ce genre de carte. Ça fait un peu la Resident Evil. L'objectif, déjà, pour commencer, c'est ici. Donc là, il y a une porte, c'est la salle du restaurant. Là, il y en a une, elle est grisée, c'est indéfini. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut regarder? J'aime pas, en fait, les jeux qui cumulent le déplacement normal avec le... avec la téléportation. Ouh. Parce que généralement, eh ben, on fait un peu les deux quand on veut pas faire l'autre. C'est dégueulasse. T'as pas d'arme. Tu te relèves pas, toi, hein. J'espère que t'es mort de chez mort, si tu veux. Il y a des choses à fouiller ici. Stop it. They'll hear us. Ah, il l'a fini. I thought he moved. I'm sorry. T'as cru qu'il avait bougé? Économise tes balles. Andouille. Ah, bah de toute façon... Attends, on fait voir la carte. Ah, bah de toute façon, on aurait été obligé de le faire. On est passé instinctivement dans cette porte-là. Mais on était obligé, de toute façon. Mais moi, j'ai une torche, moi. Même la souris, elle est paniquée. Je passe pas là, c'est mort. Ça peut s'ouvrir, ça? Hey, look. We can go through this vent. Get in. I'm right behind you. Entre, je te suis. Les femmes d'abord, hein, c'est ça? Hop, petit collectible. Oui, mais ça, j'ai compris. Je veux juste voir un truc. D'accord. Il n'y a pas de sauvegarde. Donc, il y a sûrement, comme dans Resident Evil, des points de sauvegarde. Je sais pas s'il y a des... C'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a des sauvegardes auto? Je sais pas trop. Ça se relève, là? Il y a des mouches, c'est crâne. Oh, God. What happened here? It's a bloodbath. Let's move. J'ai pas demandé ça quand j'ai pris mon service, moi. Putain, c'est plus grave au crise d'identité. Il y a des mouches partout. En fait, c'est pas la même ambiance. I'm scared I'll recognize people I know. Don't get too close. Oui, bah. Il y a des chances que tu les reconnaisses, oui. Yeah, me too. But in the meantime, let's try not to end up like them.
un moment donné, il va se faire buter, lui, là. Moi, je passe pas, là. L'autre, il va se relever, hein. Si je marche dessus, il va se relever, lui, là. Là. Il va se faire buter. Je vois qu'à un moment donné, il va se faire buter. Go ahead. Merci. I'm right behind ça you. Fait un peu de bordel, ça. Je suis juste derrière toi. Ouais, ouais. Attends, on va regarder la carte. C'est quoi là? Il y a un truc qui est condamné, c'est ça? Là, c'est le passage, mais à côté, il y a un truc qui doit cacher une porte, très certainement, qui est condamnée. Là, il y a une porte en face et deux portes ici, bon, que je vois évidemment. C'est quoi? Les toilettes. C'est jamais bon d'aller dans les toilettes dans ce genre de jeu. Pour femmes. Eh, d'abord. Sol glissant. Oh. C'est dégueulasse, mais j'y vais voir. Oh, il y a quelque chose. Lumière que regrome. Et j'en fais quoi en fait? Ça peut se garder? Ça se met dans le sac ou c'est juste une fiole? Ça se casse pas? Ah, il l'a mis dans le sac. D'accord, faut que je m'approche de la sacoche. Récupérer une recharge. Attraper la recharge pour l'objet. Tenue antiseptique. Pile ou munition. Ah, alors, attends, il faut que je regarde. C'est un antiseptique. Inventaire. Il est un peu grand, par contre, hein, l'inventaire. Donc ça c'est la bombe. Où c'est qu'il est? Sacoche, c'est quoi ça alors du coup? Ça me dit pas trop ce que c'est finalement. J'ai pas la description. Bon, je comprends que c'est pour se soigner, hein, mais... Tu l'as pas remis dedans? C'est quoi ça? Document, d'accord. Si, ok. Objet de quête, donc les clés. D'accord. Pousse-toi, toi. S'il y a quelqu'un, je te le laisse, hein. Des gants de nettoyage, une éponge. Au train où ça en est, c'est plutôt l'équipe de comment ça s'appelle? De Crimson Cleaner qu'il faut appeler. Ça marche? On peut pas tirer la chasse. Ah. Oui, c'est très bien. J'avais pas vu la main Getsu. Ok, visiblement. S'il te plaît, je t'en prie, hein, on n'a pas besoin d'être à deux. Il n'y a rien sur les... ici, le d'intéressant. Prends ça.
Franchement, j'adore l'idée d'avoir eu de pouvoir faire ça. Putain, la téléportation, ça me saoule. Je suis pas dans le bon jeu là. Ah. Monsieur, es-tu bien mort? Il est tout fripile, donc c'est dégueu. Dégueu. Tu trouves des crèmes chez les messieurs. Pourquoi ça me fait un écran noir des fois? C'est à cause de la téléportation, non? Ça peut pas se désactiver, ça? Il y a un monsieur qui est en train de poser son cake, c'est ça? Petit collectible. Petite pieuvre. C'est jamais aussi calme d'habitude. T'as vu tout le sang, tout le truc dégueulasse? Tu m'étonnes que c'est calme. Si tout le monde est mort. Faut pas traîner, on reste à découvert. Bah écoute. Laisse-moi regarder quand même. Il est plus trop beau, hein? Je suis surprise là-dessus, par contre. Hein. Et j'aime bien le. Merde, j'ai voulu le lire. La manière d'utiliser, c'est très. Je sais pas, le mot fluide, c'est pas ça que je veux dire, à mon avis. Mais. Ni intuitif non plus, mais je pense qu'on se comprend. Faut que je le mette plus haut en fait. Il y a un sac d'eau d'âme là. On peut pas le prendre. Ah. Faudrait que je me mette de l'autre côté. Ah, on peut pas le prendre. Ok. Je vais regarder la carte. Alors, où c'est qu'on est? Journal, tiens. Atteindre des ascenseurs. Oh. Les ascenseurs dans le hall principal sont le moyen le plus rapide d'atteindre le dernier étage. Sortir de la cuisine avec Owen. La radio se trouve dans le poste de surveillance au dernier étage. Faut rejoindre les ascenseurs. Les ascenseurs, souvent, ils sont sur les côtés des halls comme ça. Je vais regarder là-bas. On va regarder la carte. Ils peuvent être aussi dans un couloir comme ça, mais je peut-être au bout. Mais on va plutôt regarder les côtés. Deux portes fermées en rouge. Bon, ok. Oui, bah ils sont derrière l'escalier, alors à ce que je vois. Alors attends, est-ce qu'on fait les curieux? Est-ce qu'on va fouiner? Avant d'aller voir les... Là, il y a deux portes, là. Parce que ça va faire tout le tour, non? Je sais pas s'il y a des sauvegardes. Je n'ai pas vu passer de sauvegarde auto. Mathilda Caldwell, c'est le personnel. Directeur. Sales manager.
Waouh! Salut toi! C'est ça qui clignote en fait de qu'on voit de loin. C'est quoi? C'est une lampe torche? Tu voudrais pas me la filer par hasard? Ça, c'est pas engageant. Et là, je vais juste voir, je sais pas si... Ah, c'est fermé, comme ça, c'est pas plus mal. Ok, donc ça va apparaître sur la carte que c'est fermé, d'accord. Oh, it's dark in here. Ah, mais il me faut ta torche. On peut pas l'attraper, là, pour le faire tomber, lui. Putain, j'aime pas ces mouvements-là. Ah! Putain, je me mets debout pour voir. Je veux la torche. Je veux la lampe. C'est même pas une torche, c'est une vieille lampe. Bon, je pense qu'on pourra sûrement plus tard. À moins qu'ils disent quelque chose, on sait jamais. Hein. Après tout, si on se tue, on verra au moins... Putain, ça fait trop noir quand même. Et toi, t'as pas de torche non plus? Tu me suis bêtement comme ça, tu fais même pas un commentaire genre... On n'est pas un peu dans le noir par hasard? Oui, tu m'as fait peur. Faut que je trouve la lumière. Ben oui. C'est évident qu'il faut que je trouve de la lumière. Oh, un petit café. Lui, à mon avis, là, avec les mouches, je suis pas sûre qu'il... Ah, putain. Bon, on ira peut-être plus tard, je sais pas. Si je trouve une torche, on fait demi-tour. Je veux aller voir. Par contre, j'aimerais bien désactiver ça. Ça me saoule. Mais j'avais pas vu qu'il y avait encore. Eva. Hello. Hello. N'hésite pas à t'annoncer parce qu'elle ne dit pas les pseudos. Quelle est la Curtis? Grace. Et Christopher Johnson. Ah, c'est Fluffy But. Ok, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Elle prononce tellement bien. Oh, punaise, pour sauvegarder, il y a des bouquins. Alors, à chaque fois qu'on reviendra là, on peut sauvegarder. D'accord. Emplacement vide. Créer une sauvegarde. Par contre, ça, c'est marrant comment c'est fait. J'aime bien. J'aime bien l'idée, franchement. Ah ouais, l'idée d'appui sur les boutons pour... au lieu d'être dans un menu, d'être directement... Tu as encore de la batterie dans ta lampe. Mais je viens de commencer. Non, je sais pas si j'ai une lampe. Je crois pas. Je viens tout juste de commencer. Parce que mon inventaire, il est plutôt sommaire. Hein. Il y a juste ça. Il n'y a pas de lampe. Il t'a dit de faire un truc, Owen? Je crois pas. Non, on doit aller aux ascenseurs. Je fouille, c'est tout. It's locked. Ok, c'est très bien. Ça apparaîtra sur la carte. I don't have my badge. Damn it. Me neither. Looks like the elevators are dead. We can't use them. Of course. It would be too easy. All right. There has to be a badge around here. Go check out the reception area. I'll go into the luggage room. If anything happens, yell and I'll show up in no time. You better. Donc tu restes là et tu me pousses pas.
quand je suis arrivé, tu étais dans une pièce toute noire. Tu as un truc à y faire, je t'en reparle plus tard si tu le souhaites. Non, non, c'est pas la peine de m'en parler pour l'instant tant que je sais pas. Je viens, je suis juste curieuse, je regarde partout, donc je viens tout juste de commencer, on sort tout juste de la cuisine, on n'a rien fait à part sortir de la cuisine. Donc pour l'instant, du coup, j'ai quand même vérifié. Hop, non, pas d'inventaire. Ça va, tu n'as pas trop peur. Oh bah tu sais, je sors de Resident Evil Village. Hein. On a terminé. Alors je pense que pour l'instant, ça fait pas plus peur que, que Miranda en combat. Non, ou que l'autre d'avant. Non, il y en a qui sont plus dégueulasses en fait. Encore. Document, journal, plutôt. Alors, il faut un badge de niveau 1 pour atteindre l'escalier. Je devrais aller fouiller derrière la réception. Ouais, ben voilà. C'est peut-être là que je vais pouvoir prendre la torche du mec, parce que je pouvais pas. Il y en a un qui a une torche, qui a une lampe. Ils sont sourds, ils entendent le bruit ou pas? Parce que je me mets à courir et après, ça réveille tout le monde. Un badge. Peut-être que le gars qui est en a un. Parce que là... Ça n'a pas l'air d'avoir de... Pour l'instant, tu n'as pas d'ennemis, il me semble. Ouais. Ça viendra. Je suis... D'accord. Wow. What is that? Ok, comment je récupère la lampe? D'accord. Et voilà la lampe. Je l'avais vu, j'avais essayé. Il y a une pile. Oh non, il va falloir mettre les piles. Ces vieilles lampes, sérieux? Non. Oh, ça rappelle les lampes quand... Oh la vache. Non, je me suis trompée. Elle lâche. Ah oui, elle est là, d'accord. Donc je suis obligée de maintenir pour tenir. J'avoue, la dernière fois que j'ai vu une lampe comme ça, j'avais 5 ans. Ah ouais, mais c'est vieux ces lampes-là. Ça marchait assez bien, hein. Faut quoi qu'au bout d'un moment, même avec les piles, il n'y a plus rien qui utilise des piles comme ça. Putain, par contre, le faisceau, il est juste là, hein. Autour, il n'y a rien. Il y a un code. Le code se trouve dans cette salle aussi. Ouais, m'en doute un peu. C'est toi que j'ai entendu là. Il y en a un qui va se réveiller. Hein. Elle va se réveiller, elle. Fait mal aux yeux, en fait, cette lampe, parce que... Faut que je regarde. Lui aussi, il a grogné. À moi... Ah non, lui, il est cramé comme je sais pas quoi. C'est pas lui que j'ai entendu. Ah la vache. Il est dégueu. Si je te mange le ronfle 7 ou XD. Elle est trop puissante. Oui. On peut pas les fouiller, j'imagine. Attends, faut que je regarde déjà. Mais ferme-la, toi. Je sens que quand j'aurai mis le code, là, elle va à 5 chiffres. Ok. Est-ce qu'on peut tout regarder? Non.
Dors bien, toi. Reste couché. T'es très bien là où t'es. Par contre, elle fait mal à la tête, en fait, cette torche, parce qu'elle est trop concentrée sur un endroit. Regarde bien sur les murs. Il y a un tableau blanc avec le code écrit dessus. Ben là, il y a un tableau. Là, c'est un cadre. C'est pas un tableau. Il n'y a pas de tableau. Ah, si, ça. Ah, save code, putain, oui, c'est... Oh non, c'est écrit en gros, en plus. Le code, en plus, que personne ferait, quoi. Elle peut pas le... Ah, si, ah, bah, c'est bien, moi, j'ai mes deux mains. Impossible à retenir un code. Comme ça, faut absolument l'écrire. Bah ouais, mais c'est le code trop facile. Après, c'est parce qu'il est trop facile, justement. Les piles, hop, et la carte. There we go. Oh putain, j'aime pas du tout cette téléportation. Appuie sur L3 pour vous déplacer. Pour courir ? Pourquoi ? D'accord. Wow, mais c'est quoi ça? Je suis sûr, il va se faire buter lui. Hein. Owen, non. Réveil ouvert, égal, réveil 2h25 M6 secondes. J'aurais presque envie de dire pas de bras, pas de chocolat, mais t'as tes bras. Le pauvre. Il l'a buté, je pense pas, vu le gros machin que c'était. Allez, Owen, reste en vie. Tu peux encore faire les paralympiques, mon pote. Tu m'étonnes. Au revoir, mon ami. C'est pas mal. Moi, j'espère qu'on en trouvera. Du coup, il va aller sur le côté. Oui, ok. Ok, nickel. Ça peut pas se désactiver, ça, parce que franchement... La téléportation, je la trouve très chiante. C'est vrai qu'après, si ça va loin, peut-être que ça peut sauver les fesses. Mais le temps qu'on le fasse... I can't use the surface staircase either. Qui dit que je voulais passer par les escaliers d'abord ? Non, mais les piles, sérieux ? On va économiser, hein, quand on peut. Allez, on va faire une petite sauvegarde, je pense, avant de prendre je sais pas quel chemin. Du coup, les ascenseurs fonctionnent plus, les escaliers permettent peut-être de rejoindre le dernier étage. D'accord. Mais cela, pas cela, visiblement.
Donc on va monter par l'escalier principal. Bah, il me semble qu'avec ta carte d'accès, tu peux ouvrir certaines portes. J'ai pas regardé ce que c'était comme carte d'accès. Normalement, je crois qu'elle était pour les ascenseurs. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Et maintenant, d'où t'es allumé, toi? On va faire deux sauvegardes. Comme ça, il y en a une qui pourra être servir de secours. La carte, elle est où? À savoir aussi si la tête des zombies n'est pas détruite, ils peuvent se relever. Ouais, je m'en doute, ça fait un peu qu'on Resident Evil. Pour les anciens, je crois. L'un des deux, c'était aussi comme ça, il me semble. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Y a pas du tout de sauvegarde auto, par contre, il y a que ces sauvegardes-là ou il y a quand même un peu de sauvegarde auto. Tu te réveilles toi ou pas? Tu sais que fumer tue, c'est pas bien. Hein. Votre chambre, l'établissement vous accueille à partir de 16h à la réception pour récupérer vos clés. Pour les départs, nous vous invitons à les remettre à 11h au plus tard. Dans le cas contraire, un supplément pourra vous être facturé. Ça va la vie, quoi. Tous les matins, un petit déjeuner sous forme de buffet vous sera servi dans le restaurant. Je t'avoue que j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait le jeu, j'ai juste un ami qui m'en a parlé. T'as l'air de bien le connaître pourtant. Jusqu'à 9h le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si c'est bien la même personne qui me le dit, évidemment. Et jusqu'à 10h30. Le samedi et le dimanche, à partir de midi jusqu'à minuit, le restaurant vous propose de déguster de plats gourmets. Le Paradise Hotel dispose d'une piscine intérieure chauffée ouverte du 1er juin au 31 janvier. Pardon. Il est possible d'en profiter de 9h à 19h. Un bain est également à votre disposition sur place. Des maillots de bain sont en vente à la réception. Connexion Wi-Fi. L'établissement dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. Nom du réseau Paradise Hotel Public. Mot de passe WANA Wi-Fi 69. Construit en 1885, le Paradise Hotel se démarque à l'époque par son élégance et sa modernité qui font de lui un établissement de renom. Aujourd'hui, il accueille des personnalités de marque qui apprécient son charme authentique. Il n'y a pas plus authentique que là. C'est pas toi qui iras me contrarier. Il y a une sauvegarde auto quand même. Comment? J'ai pas entendu. Il y a bien une sauvegarde auto. Ah, il y a bien des sauvegardes auto. Ok. Alors, on a fait le tour ici. Du coup, la carte. Ah, elle est condamnée. J'imagine que ce genre de porte là pourra s'ouvrir plus tard. Il y aura sûrement moyen de détruire les planches. Ça, c'est les ascenseurs, ok. Et non, je connais pas du tout. J'avais installé ce jeu car j'ai un ami qui jouait pour la première fois à la VR et il adore Resident Evil.
Ok. Du coup, ouais, mais si on peut utiliser, là, il faut des clés, là, faut pas des cartes. Je pense pas qu'elle servirait, là, la carte pour ouvrir ce genre de porte. C'est le genre de qu'on fait passer quelques. Ah, si. Attends. Merde, ça l'a remis. Oh. Dommage, ils auraient pu faire un espèce de sac à dos ou un truc comme ça. Ou un truc plus petit, en tout cas. Non? Non, ça veut peut-être dire que c'est pas ce qu'il faut. Parce que ça, c'est une clé qu'il faut, hein, ici. Ok. Putain, cette téléportation, c'est chiant. Mais du coup, j'ai pas vu d'autres portes ici. Il y a celle-là, mais celle-là, elle est. Elle est condamnée. Ok. C'est un peu bête, tiens, qu'on peut pas prendre ça. Ce genre de. Ben non, on peut pas, c'est un truc accroché. Comme une lanterne. Tu peux pas mettre ta carte dans la porte de la pièce en face. Si, là, on peut. Tout à l'heure, j'avais pas vu. Je le faisais en haut, mais. Si, si, dans celle-là, on peut. Ok, I need to find Ashley before this monster finds her. Ah, il n'y a pas un truc que le fait de devoir le garder dans la main, de garder le bouton appuyé, ça me déplaît assez. J'aimerais bien pouvoir le bloquer. Ton pistolet n'est pas armé. Je sais, mais je... Ouais. Putain, t'as l'œil, toi. Moi, je suis nulle en armes. Hop, une pile. Moi, ce qui me plaît pas, c'est de devoir le tenir comme ça. Il n'y a pas moyen d'y bloquer, ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. D'ailleurs, ça, c'est plutôt cool de pouvoir aussi l'avoir sur la gauche. Il y a peut-être une option pour ça. Ouais, c'est ce que je regarde. Est-ce que ce serait dans le gameplay ou dans le contrôle?
Saisie alternative. Oui, mais c'est pour la saisie. Type de saisie active. Passive. On va voir si c'est ça. Type de saisie peut-être. Ouais, c'est ce que je regarde. On va bien voir si c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Il est toujours introverti. Il est pourri de façon, Sleeping. Complètement, oui. Il est temps de le changer. Menu non, pour le prendre. Ah, voilà. Là, au moins, je l'ai dans les mains. J'ai pas besoin de... Il y avait un descriptif de l'option en bas. Ah, j'avais pas vu. Mais bon, c'est ce qu'on prend quand même. Du coup, là... Ouh, ça m'a fait peur. Du coup, ça s'est fermé. Je suis où, là? Je suis là. Il faut aller ici. Ah putain de téléportation. Du coup là tu joues sur le PSVR 2, c'est ça? Ouais. Ah ouais, l'inconvénient de ce truc, c'est que je suis obligée de lâcher quand c'est les portes. Alors, quand j'utilise les portes, il faudrait que je lâche l'arme. Ouais, je le fais sur PSR 2. N'avoir rien. Tu restes là, toi. Hein? Tranquille. Hmm? Tu as vu qu'ils vont sortir un Toto Radius sur la PlayStation bientôt. Un quoi? Comme elle articule mal. Un Toto Radius. Ah. Là, par contre, pour les portes, c'est pas pratique, du coup. J'ai entendu Radius, mais après... Un to the Radius. Laisse tomber. Ils sont bien crado quand même, hein, les cocos, là. Ça doit pas sentir bon par ici. Ah non, ça doit puer, ouais. Attends, on peut pas pousser la porte une fois qu'elle est ouverte. Là. Ah, c'est... Je voudrais désactiver cette téléportation. T'es dans lequel, toi? Il y en a un qui est encore... C'est dégueulasse. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Celui-là, je dois être fermé. Ok. Bon, bah, ça reste fermé, hein. Je t'ai arrivé là. Ça se voit que l'agent de maintenance est devenu un zombie aussi. Hein. Ouais. Là, faut appeler l'équipe de comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, Crimson Cleaner. Il y a, voilà, pour la carte.
Ils nettoieront tout ça, ça mettra le temps. Mais ils s'en chargeront. Si tu vois pas quel jeu c'est, je te conseille d'aller voir. Ne serait-ce sur ma chaîne, déjà. Ah, ça peut... C'est chiant, ça. Hi ! Toi, tu te relèves, toi, non ? Ou c'était juste pour faire peur ? Non, c'était juste pour faire peur. Pour faire peur, on va économiser les balles. Hein. Il y a des zones de sauvegarde en haut, j'espère. Je ne sais pas où exactement, mais je sais qu'il y a plusieurs endroits pour sauvegarder. Ah, parce que là, quand tu vois que tu montes, il pique. Ça doit être un de niveau 2, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait un peu comme un Resident Evil quand. Dans le 2, je crois, Resident Evil 2, quand on est dans les serres. T'as des badges de niveau 1, des badges de niveau 2. Se faire discret, les ennemis sont attirés par les bruits. Ah, bah ça répond à ma question de tout à l'heure. Lorsque vous tirez, courez ou. Voilà. On sera plus discret. I can't go up any further. I need to find another way up. The service stairs might be accessible via this floor. Ouais, donc là c'est ouvert. Ou pas. Ah, level 1, ok. En vrai, ça doit te faire plaisir de pouvoir jouer une femme dans un jeu comme Resident Evil. J'ai été surprise d'avoir du vernis sur les ongles, je vais te dire. Mais ça me fait pas spécialement plaisir ou pas. J'aime bien jouer, les hommes dans les jeux. 4 ça me dérange pas. Plus 2, réveil 2h45 et 29 secondes. Ça me dérange pas de jouer un homme dans les jeux, donc... c'est plutôt surprenant. Toi-même, dans Cyberpunk, j'ai joué avec le mec... La femme, je supportais pas sa voix. Ouais, donc en gros, s'il y en a un qui arrive, on va marcher sur la moquette. Hein. Quelle heure il est, Minou ? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Attends. Tu me demandes quelle heure il est ? Ouais. Ouais, c'est bon, il est 8 heures. Ok, je vois. Bah, je vais essayer de trouver un point de sauvegarde et puis on va arrêter. Parce que c'est l'inconvénient. Je sais pas si où sont les sauvegardes. En plus... Perso, je sais pas pourquoi je vais jouer une personnage d'un autre genre que le mien. Oh, moi, ça me dérange pas. Jouer les femmes, en fait, je limite... Limite, je préfère jouer les hommes, mais après, ça me dérange pas. Il y a plein de personnages féminins qui sont intéressants et plein de personnages masculins qui sont intéressants aussi. Du coup, on va faire une sauvegarde, puis on va arrêter pour aujourd'hui. J'adore ce concept de sauvegarde. Pas sur le fait qu'on en a tous les 15 du... Mais le fait de pas aller dans le menu pour sauvegarder, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ça change de la machine à écrire. Oui, oui aussi. Mais la machine à écrire, elle t'envoie quand même dans un menu. Alors que là, non, t'es dans le jeu, t'es in-game et tu sauvegardes in-game. Et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est un livre d'or, ça, généralement, pour dire ce qu'on pense de l'hôtel, si on est satisfait ou pas. C'est stylé, c'est vrai. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Mais écoutez, en tout cas, on s'est terminé Resident Evil Village aujourd'hui. On a commencé Hotel Paradise. Alors, de base,
je l'ai pris parce que histoire d'avoir un jeu VR, parce qu'en ce moment je crois qu'il y avait pas grand chose. Et mais de base, c'est vrai qu'il m'avait pas attiré plus que ça parce que j'avais vu certaines choses dans le gameplay qui me plaisaient pas. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, il est plutôt beau, il est propre, je trouve. Ça a l'air assez intuitif en fait, assez bon, sauf petit truc qui m'emmerde là, qui est très bien pour l'arme, mais pas bien pour les portes. Par exemple. Il est plutôt court, malheureusement. Ouais, mais c'est peut-être pas aussi, c'est peut-être aussi bien. Pas besoin d'avoir un jeu. Il fait combien de temps? Tu sais pas? Moi, ça me dérange pas un jeu un peu court. Ça permet de varier comme ça les jeux et puis de pas se lasser au final. Oh putain! 3 ou 4 heures. Ah. 3-4 heures, pas plus. Bon, avec moi, il en fera. Merde, je voulais me servir un verre de vin, c'est pas. Eh ben attends, si tu le fais trop fort, en plus, ça va faire venir du. C'est ballot, j'aurais pas mon vin. Tu as trop de force, tu peux pas boire. C'est ça. Bon, on va se faire de l'eau, hein. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Demain, on continuera justement Crimson Cleaner. C'est plus propre après qu'avant, généralement. Le jeu est très sympa, je vous conseille de venir. Et puis, après-demain, pareil. La semaine prochaine, on reprendra un petit peu du Kingdom Come Deliverance, je pense. Je ne sais pas si vous avez vu les gameplays, le trailer de gameplay, tout ça qu'ils ont mis. Il y a 25 minutes de gameplay. Je sens que ce jeu. De Bust, nouveau follow. S. Cœur rouge, dada, poney, cœur rouge. Bienvenue. Merci. 117 followers, plus 1. Merci pour dada ton follow. Dada, poney vient de suivre ta chaîne. Dada, poney is now following. Je lirai le pseudo correctement parce qu'elle ne sait pas le dire. En tout cas, je vous recommande de voir ce gameplay parce qu'il est vraiment top. Ce jeu est top. De toute façon, tu sens le banger qui arrive. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Merci pour le follow. Merci pour avoir suivi le live. Ça marche, à bientôt. Et puis, ciao tout le monde. Et je le redis, mais c'est pas grave. À la vôtre. Merde, tu peux pas le lâcher. Bienvenue, Dada Poney, sur le live. Allez, on va se laisser. Salut.